Hello Zaycon. Donc, alors, je vous montre ici un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait pendant le mois de mars. Donc, voilà, j'ai filmé des petites parties, j'ai pas vraiment filmé des journées complètes, comme ça vous voyez un peu. Et après, on se retrouve. C'est nul ton intro. Hello darling. Hi. Les gens sont naïfs. Tous mes potes y croient, mais tous mes potes gars ils sont pas salés. Mais c'est quand même parce que tu connais ça. Moi, le truc des perruques, c'est vraiment genre, je sais pas comment expliquer, il y en a plein qui. Ouais, ici en Belgique, surtout ici quoi. Je suis sûre que comment ils vont tous appeler, mais t'es pas blond. Mais Edimbourg, c'est très bien. Bah, je sais. D'ailleurs, je te donnerai des tips. Ah oui, tu dois me dire des bonnes adresses. En plus, merci. Nous sommes au McDo. Pourquoi je suis blanc? C'est pas changé de l'humidité. Est-ce que tu as une maison que j'arrive ça. Voilà. Nous les, sommes au les McDo. Les gens regardent. Rien à foutre. Bonjour, moi je suis là aujourd'hui. Il y a quoi? On est au McDo et je suis avec Nathan. J'ai pas beaucoup vlogué. Madame Zouza. Régime, le régime. Ça va, j'ai pris un rare, je ne pas pris de frites. Hein. Ouais. Il y a des filles qui me regardent, madame. Ça, en tout cas, quand on a fait un film d'époque. Oh, j'ai mis mon truc dans la sauce. Mais c'est ce que j'avais fait. En présence de l'équipe du film. Droit à l'image. Coca, c'est la base. Voilà, on a mangé au McDo, c'était vraiment très bon. Là, après, on a dansé jusqu'ici, là. C'est bon, hein? Ah. Oh my God, chien. J'en ai tout blanc. I'm the same person sideways, waiting, looking all the time. Time gets a ticking and it takes a time. Attends. Mais je peux mettre ma musique? Attends! C'est là. Trap many bennies. J'ai deuxième. She funny money bins, putain. Non, j'ai pas réussi à faire. Non! Allez! Allez, danse avec moi. He can do me. When the real nigga, I'm a real nigga, I put them back in the building. Got real stuff and the real stuff. When I leave, niggas, they get real bitter. When the real nigga, I'm a real nigga. I'm not a regular bitch, so when niggas see me, they jump on my dick. He not a regular shooter, so when you see me, salute her. Ain't got a knife in my hand, I'm chopping up with the niggas. I'm a real nigga, I run around with them real niggas. Got real sons, I need a real sitter. When I leave, niggas, they get real bitter. When I'm a real nigga, I'm a real nigga. I run around with them real niggas. Tu vois, c'est pas bon. Keep that same energy, please don't flip. You was talking all that motherfucking shit. You see everyone, been keeping the list. Think that's
Hello les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour mon eczéma. Parce que si vous avez regardé ma vidéo sur mes soins visage sur ma chaîne principale, je vous parle justement de ce que j'ai vite fait et de quels soins sont adaptés pour ça. Et du coup j'ai fait un restock et voilà, je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Donc c'est parti. En fait j'ai pas mal acheté, bon il n'y a pas que des soins, des recharges comme ça pour mon Polaroid vu que je pars en Écosse dans une semaine. Ensuite j'ai reçu deux palettes Blue Blood, donc la nouvelle palette de Jeffree Star. En dédommagement parce que j'avais gagné le concours pour aller le rencontrer, mais malheureusement il sait pas venir pour l'instant, du coup à la place on a reçu deux palettes. Ensuite j'ai pris, donc j'aime beaucoup ce produit, c'est Uriage au thermal, en fait c'est un spray de thermal, c'est super bien, genre si par exemple moi ma peau je sais qu'elle réagit un peu mal au calcaire de l'eau du robinet, donc j'utilise ça, c'est vraiment trop bien. Pris un petit sérum de la marque Bioderma, je l'ai déjà eu mais genre il y a 6 ans, il était plutôt pas mal. Et ici c'est un concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. En plus il était à 15€ au lieu de 21€. Donc c'est un sérum que je mets avant ma crème spécifique que je dois mettre en fait. Alors comme démaquillant j'ai pris deux sorts, j'ai pris celui-ci que je prends d'habitude avec ma mère, c'est un démaquillant qu'on utilise environ depuis 10 ans. Le Tolerian qui est un lait démaquillant super hydratant en même temps et qui enlève tout en fait, du coup c'est, j'aime beaucoup ce produit là. Et alors mon deuxième démaquillant au micellaire comme ceci de chez Bioderma, parce que voilà, en fait je voulais prendre le bleu pour les peaux déshydratées, le problème c'est qu'il n'y en avait plus. J'ai racheté mon shampoing parce qu'en fait si vous voulez, comme je vous ai raconté dans ma vidéo, j'ai de l'eczéma séborique, je pense que ça se dit comme ça, et en fait c'est un eczéma à base de squam et... Donc les squames c'est quoi? C'est des petits boutons, enfin d'irritation au niveau du menton, tout ça. Et entre autres j'ai aussi des problèmes de cheveux, mais depuis que j'utilise ça j'ai plus du tout de problèmes de cheveux. J'avais mes cheveux qui grattaient et tout à cause de ça justement. Donc j'étais chez ma dermatologue, elle m'a conseillé ça et ça m'a sauvé, donc j'en ai racheté. C'est un shampoing anti-pelliculaire intense et anti-démangeaison, donc voilà. J'ai pris ça, ça c'est vraiment bien, c'est en fait pour les peaux... atypique, par exemple moi qui ai de l'eczéma, ça c'est vraiment super parce que c'est un SOS anti-irritation, anti-gratouille. Du coup quand ça gratte, eh ben, tu mets ça et ça te sauve en fait, tout simplement. Un Bioderma, petit eau micellaire comme ça pour l'avion. Ça c'est la crème que j'utilise contre mon eczéma et franchement elle est vraiment bien. Donc je l'ai racheté, c'est la Kerium DS. Pour hydrater la peau de mon corps, j'ai pris la Dexeryl, donc c'est une crème émolliente sécheresse cutanée qui est vraiment super pour les peaux à problème. Et j'aime beaucoup beaucoup cette crème. Donc, comme après shampoing, j'ai repris le Vichy Dercos Nutrients en Nutri-Protein, il est vraiment trop bien. Ils sont super bons et en plus les cheveux après ils sont magnifiques. Sur tonique, j'ai pris la Caudalie... le lotion tonique hydratante. J'aime bien cette gamme là, j'ai de l'huile de nuit de cette sortie et j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite j'étais à Matongue et j'avais besoin de gel. Après j'ai acheté, vous voyez, des cheveux comme ça, mais c'est pour mon examen de coiffure.
donc là il est 16h. Je vais rejoindre Chloé chez elle pour aller chez ses grands-parents. On va aller visionner la vidéo de la chorale de son papy. Plus que 6 jours avant qu'on parte à Edimbourg. Plutôt excité. Je suis plutôt content aussi de la qualité de la GoPro qu'on a achetée. Franchement elle est au top. Après reste à voir sous d'autres conditions. Chloé normalement était censée travailler jusqu'à 20h au Carrefour. Mais ils l'ont pas prévu sur le planning, du coup elle s'est préparée toute la journée pour travailler pour rien quoi. Et du coup on change le programme de la journée. Donc, arrivé chez moi, j'étais occupée avec mon vlog et tout, mais là on va aller chez ma grand-mère comme Cédric vous a dit, mais d'abord on va promener mon chien. On va promener. T'es excitée. Ouais. Tu te calmes. Et voilà. Je suis trempée. Je me demande qu'elle est passée. Bah papy, tu lui diras qu'on est passé, mec. Voilà. Donc voilà, je viens de déposer Chloé chez elle après avoir été chez ses grands-parents visionner ce fameux film. Maintenant que je suis chez moi, j'ai commencé déjà à préparer les affaires pour partir à Edimbourg. Bien sûr, j'ai commencé, j'ai encore lavé 2-3 petits trucs que je mettrai au dernier moment dedans. Et les affaires qui sont plus quotidiennes et que j'emporterai dans mon sac. Je ferai ça au dernier moment, quand même. Ne faites pas attention à ma tête. Là on est le soir, je me suis démaquillée et tout. Là on est occupé à emporter les dossiers de la GoPro. Enfin, je suis rentrée, j'ai simplement monté ma vidéo, je l'ai mis en ligne. Et puis j'ai fait ma valise et tout pour venir ici. Ma valise pour demain mon examen, parce que demain j'ai un examen très important de haute couture, high fashion. Et donc je vais préparer certains trucs. Du coup les icônes, on vous dit bonne nuit et à demain pour un nouveau vlog.